Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la page information TAC Info. Mais quelques principaux points qui pourraient dominer l'actualité. Agence Santé et Communauté a réalisé un sitting devant résidence Joseph Jout, Premier ministre paysan, journée mardi 9 juin 2020. ODM condamné Jacques usage gaz lacrymogène. La police fait sur plusieurs journalistes hier dimanche là, dans marche SPNA s'organiser dans la rue Port-au-Prince. Un journaliste victime dans le cadre d'un mouvement si là. Ministre Santé publique a informé la population haïtienne qu'il n'y a pas autorisé aucun monde fait marketing pour médicaments faits. 33,5 millions de dollars américains, c'est l'argent bide partagé avec Haïti pour un projet de construction d'un centre intégré pour traitement fatra dans la zone Monchette. Pour ça, il y a divers autres pour le faire essentiel. Journal, là, restez branché dans le tunnel. TAC Info, tout haïtien connecté. News, info, news. Où ça, haïtien? Ou parle créole? Ou identifiez quoi est la caille? Alors, on nous connecte pour parler sac show, sac show, sac show. Sac à bail, sac à bail, sac à bouler, sac qui a marché, sac à marché. Nous retournons après président. Agence Santé Communauté dans DSO a réalisé un sitting devant résidence Joseph Jout, Premier ministre haïtien, dans l'idée pour demander bonnes gens conditions vie avec augmentation salaire qui est valée à 33 000 gouttes au lieu de 9 000 gouttes salaire qui a touché. De l'autre côté, agence santé sa yo mandé nommé employé agence santé yo. Quelqu'un a yo te nan micro pour TAC Info. Nous avons décidé de venir devant la résidence PM. Pour nous venir faire qui ça? Pour nous venir dire, PM Jout, en tant que le premier des ministres, ou même qui a des yeux sur le ministère de la Santé publique, nous venons dire ensemble de revendications que nous avons porté de longue date qui pas j'aime satisfait. Eh bien, nous venons dire en tant que papa, qui toujours a dit, tout emploi et l'État, c'est petit tout, eh bien, nous sommes venus pour nous capables de dire qui ça? L'inacceptable, en tant que jeune, qui a fait promotion de la santé en deux communautés, en tant que monde, n'importe le lien, population froid peut-être nous, nous toujours prêts pour nous capables d'accompagner, et bien nous dit l'inacceptable pour l'État abandonner un salaire de 9 000 gouttes. Parce que ça, c'est même un crime contre l'humanité. 9 000 gouttes dans le temps, ça, on seul bagarre est capable de faire pour nous. Permettre nous boire de l'eau pendant nos souterrains à le travail. Mais à part de ça, en termes de responsabilité personnelle, en termes de responsabilité familiale, 9 000 gouttes ça ne répond pas à besoin. Ça fait un mouvement criminel. Est-ce que pas une autorité qui rentre pour parler ensemble avec nous? Nous-mêmes, avant même que nous te prenions béton, nous te fait des démarches administratives. Côté que nous écrit ministre de santé publique là, nous te écrit directeur sanitaire départemental. Nan ti parle ou te gen ensemble avec nous, yo te di nous, revendication nous yo juste, c'est pourquoi yo pral faire des efforts à ce que pour capable répondre à revendication nous. Mais ça qui pi étonné nous, c'est parce que yo te di que nan budget, yo ta pral adopté là, l'état doit gen augmentation pour agent de santé. Parce que nan système santé, c'est nous même yo pi maltraité, c'est nous même yo pi mal payé, même on ménager, yo paye plus. Passer un agent de santé en deux systèmes. Pourtant, ça n'a pas été fait puisque nous-mêmes, c'est des personnels de soins. C'est pourquoi nous devons dire PM, agent de santé en général, a demandé un salaire raisonnable de 33 000 gouttes. Tout l'hôpital, tout centre de santé qui a agent de santé qui est affecté là-dedans, on a commencé à fermer. Nous pouvons commencer à le fermer DSO, qui est la boîte technique du ministère de la Santé publique en deux département de l'Ouest. Et le ministère de la Santé publique qui est central, nous allons décider pour ne pas paralyser toute activité en deux institutions, tout autant nous ne pouvons pas répondre à la revendication. ODM condamné Jacques usage gaz lacrymogène la police fait sous groupe journaliste après hier dimanche là dans Kafou aéroport dans cadre marche SPNH là t'est organisé hier dimanche 7 juin 2021 de l'autre côté Nelus Nerius qui c'est coordonnateur organisation débarré militant dénoncé mouvement raquette qu'a fait sous frontière Malpass là dans zone Gantier côté il a fait quand yo payé 1500 gouttes pour traverser coordonnateur ODM là Nelus Nerius t'est dans micro Justice Stanley. Pour un conteneur sorti Malpass, Saint-Domingue, pour passer Gantier, il faut payer 1500 gouttes. On compte payer environ 1000 gouttes. Gagnons 1000 sables fonds parisiens. Chaque camion, des centaines de camions qui passent par semaine
passer sorti fond parisien à le croix des bouquets vini pour au prince à sable yo payé 250 jours. Mais moun gantier constaté après tout ça fait yo tout l'argent ramassé yo pas wè ki ça qui réglé à l'argent et cartel ça c'est pi mauvais cartel d'après citoyen gantier et moi même c'est là l'ombrit moi enterré moi c'est nèg gantier natif natal et c'est sa cause ça interpellé matin nous prend la presse pour nous dire à président Jovenel, un, pour le prendre décision, pour lui révoquer cartel, ça peut pas révoquer, mettez-le dehors parce que mandat yo fini. Gros sitting dans Kafou aéroport, plusieurs militants politiques en bas viaduc là, journée mardi 9 juin, dans un bas ténèbres pour faire connaître mandat magistrat yo a fini dans mois cap venir là et yo continuer mander pour magistrat yo pas venir faire allier à régime. PHTK ça en coûter quelques militants qui t'a préagi dans micro tac info. Presse ministère santé publique ak population informé population haïtienne nan ke aucun monde pas autorisé faire marketing pour médicaments qui basé sous feuille qui ta bon pour pandémie coronavirus lan. Ministère a mandé population an pour toujours respecter principe hygiène yo toujours laver men nou pas sorti sans besoin bay trois pas distance pas beau pas bay la main pas rete côté qui gen pile moun note ça c'est ministre santé publique lan Marie Gretawa qui signe note si là 33.5 millions de dollars américains bid partagé ak Haïti pour un projet construction yon centre intégré pour traitement fatra dans zone Manchnet après yon tacotac pour yon terrain yon l'autre bord président Jovenel Moïse publié dans journal Le Moniteur numéro 99 arrêté ça déclaré terrain Manchnet là a utile 24 ans avant banque interaméricain pour développement annulé investissement 9 juin page information rivé dans bout li merci tout le monde pour patience nous avec fidélité nous restez connecté avec page Tac info à l'abonné à page là. Madame Daniel t'a présenté page information. Renet t'a géré caméra yo. Pas bien non son production. Tac info. Tac info. Tout haïtien connecté.
News, Info, News. Ou ça haïtien? Ou parle créole? Ou identifiez ou kouè lakay? Alors, on nous connecte pour parler sac show, sac show, sac show. Sac à bay, san à bay, sac à boule, sac qui ka mâché, sac qui a mâché, sac pour faire pour bien mâché. Qui est-ce qui a bien passé? Ça qui a fait passer soit des chiffonnets. Qui est-ce qui a chauffé sous bord? Qui est-ce qui est? Qui ça qui est? Qui est-ce qui a boucané glace? Souvlez les compressés, pressé connecté, tag info. Tout haïtien connecté, news.